les remarques qu'on faisait sur mon corps quand j'étais jeune, les remarques qu'on faisait sur la quantité de nourriture que je mangeais, sur mes choix alimentaires, quand je mangeais, comment je mangeais. Je savais même à ce moment-là, quand j'étais jeune, que ça changeait qui j'étais. Je passais d'une petite fille joyeuse avec plein de joie de vivre à des peurs, des inquiétudes, de l'angoisse, une vision négative de mon corps, très, très négative. Puis je pensais que ça serait irréversible, mais non, ça ne l'est pas. J'ai fait, je pense, grâce à mes enfants, un chemin. Je voulais pas leur laisser ça en héritage, toutes ces peurs-là, cette façon-là négative de se voir et de voir notre corps. J'ai travaillé très fort, puis quand je suis tombée sur l'alimentation intuitive, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai vu que ma façon de voir l'alimentation pour mes enfants était quelque chose qui allait être bénéfique pour eux, qu'il n'y aurait pas la même bullshit que moi. Tout ça m'a permis de guérir bien des affaires. Et là, je suis rendue où est-ce que je dirais que j'ai comme guéri ma relation avec mon corps au moins à 80%. Je suis comme passé le cap du 50%. Là. Pour moi, c'est comme... Je pensais pas que ça se pouvait.